et tout ça. Mais ce qu'il faut dire déjà, c'est que de vous-même, déjà, il faudrait penser au marché, hein, à comment vendre. Parce que si on continue à chercher toujours l'apport financier, il n'y aurait pas de retour à l'investissement. Parce que ce que vous avez investi vous-même, vous dites que le matériel est en train de commencer à se détériorer, mais vous n'auriez pas eu un retour avant la détérioration. Voilà. Donc ça, au moins, il faut penser à vendre ce que vous avez déjà produit par rapport à ce que vous avez dépensé. Et après, ça ne peut être que des améliorations pour augmenter encore la production. Mais si c'est des appuis financiers pour continuer toujours à faire le même travail sans pourtant qu'il y ait retour, alors là, c'est difficile. Nous avons visité cette exploitation d'Agrivision Développement. C'est le deuxième site qui abrite les porcs, disons la porcherie, et puis le poulailler. Il y a des poules de race et des hybrides, tout comme au niveau de la porcherie. Et on a près de 300 têtes là. Les installations commencent à vieillir. Et la vente ne suit pas effectivement le rythme qui a été proposé. C'est pour cela qu'il se pose aujourd'hui un problème. Le grand problème, c'est l'aliment du bétail. La fourniture à partir de Brazza, c'est un goulot d'étanglement. Donc c'est ça ce qu'on a regardé avec la délégation qui est arrivée, qui a prodigué quelques conseils, et puis avec qui on va voir comment gérer, n'est-ce pas, disons, ces questions de comptabilité et d'approvisionnement. Je suis M. Akiawe Edouard, promoteur d'Agrivision Développement.